Bienvenue dans la deuxième partie de Max Payne. Allô? Pour Victor. Max? Max? Wow, regardez-moi Max Payne. We did not know this. We are lost, Max. Il se rapproche beaucoup de ce qu'on a vu dans le flash forward, dans ce qui va se passer. Donc c'est normal. Both of you. Rodrigo was a good man. I failed him. But I was tricked. What happened, Max? I don't know. Some guys from the crush of Prado came into the building downstairs, so while me and the security guard were dealing with them, an assassin must have come in and executed your brother. I, at least that's how I think it happened. No, you killed him, Boha. You killed my brother. Bah oui, bien sûr. What are you talking about? I understand you're upset, but please, why the hell would I do that? To get his money, to take his money. Ouais, puis maintenant j'en ai plus d'argent. How about his money, Marcelo? Please, think. I worked my ass off for your family. I saved your life twice or more. And right now, I'm going to get Fabiana. Where is she? Where is Fabiana? Eh? She's in a place called Nova Esperanza. La Nouvelle Espérance. Quelle ironie. How do you know this, Max? One of the crotch of Prado told me just before he died. Please, bring our sister and all. J'adore cette phrase. Before he died. Family is being torn apart. T'en as rien à foutre de sa belle-sœur, Victor. Max en a peut-être plus quelque chose à foutre que toi. Une gueule de bois monumentale. Here we go. Et ainsi, Max Payne pénétra dans l'enfer sur Terre. Mais il l'avait déjà connu, the bit people try to ignore. The unpleasant memory they try to obliterate with cocktails and helicopters and parties and lines of blow, like rich fools the world over. I was a day off the sauce for the first time in years and knew I was due a hangover sent direct from Mother Nature. Yo! La musique de Rasta. De Rasta. Excuse auprès de tous ceux qui aiment ce genre de musique, mais c'est vraiment le genre de musique que je m'attends à entendre dans une soirée là. C'est moi, je sais pas, du métal. I had no idea where the hell I was gonna go, so I decided to head straight for the street party that seemed to be raging. Fête de rue. Either that or some other fool had gotten there before me and now was being ritually sacrificed. I've had better ideas. But then I've also had worse ones, like accepting this job in the first place. Les gens lui parlent, il ne comprend pas. Y aí, gringo. Salut, gamin. Eu me amarro nesse estado. Você precisa de ajuda, senhor? Je comprends absolument rien. Ah, falo sim, sem problema. Je comprends rien. Seen this girl, Fabiana? Come here for a second. Look at her. I know lots of girls, sexy. Come on, come on. Sexy, c'est parce que this way. Je suis juste. Wait a minute. Down there? Bah, arrête de vu. Putain, attends, je vais te mettre la claire nazi, c'est pas possible. Musique. This way, come on. Regardez, les mecs ont mis des petits bouts de bouteilles pour pas qu'on passe par-dessus le mur. At least I found myself a tour. Et franchement, je trouve ça très réaliste. C'est à ça que je m'attends. Si je devais entrer dans une favela. Ah, je peux enfin bouger moi-même. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est sympa devant l'espèce de gigantesque HLM hôtel, je sais pas quel truc ce que c'est. Those who spend their lives trying to build the future. Il y a deux catégories de personnes. Those who spend their lives trying to rebuild the past. Celles qui construisent le futur et celles qui reconstruisent le passé. Hidden in the dark. What was I really doing walking in there with my bad haircut and ridiculous shirt? Was I there to make something right? Or was I just using a messed up situation to indulge myself, grasping at some desperate delusion? J'aime bien parce qu'il est pas bête, Max. Si en fait je suis en train de péter un câble vraiment et je vais juste pour me sentir vivant. Enfin, c'est une cause perdue quoi, pourquoi se voler? Wow. Bon stuff. L'épisode à venir, bon, vous avez vu du sang, vous avez vu plein de gens mourir, vous avez vu des images un peu sexy. Dans cet épisode, il va y avoir un moment plutôt bien sexy, plutôt 18+. Je serai prêt. Si vous voulez passer, vous passerez.
Slums have become tourist attractions, places where yuppies could gawk at the endless spirit of the poor from the inside of their bulletproof buses. Ce réalisme. I felt dumb and exposed. Max. I missed the booze. Not that it mattered, sober or drunk, I was hardly undercover. C'est discret qu'un ton. I stood out in this place like a street walker. Prostitué dans un monastère, exactement. Parce que là, c'est plus un prêtre au milieu de prostituées. Wow, les mecs, ok, vous avez des fusils, ok, je vais pas vous embêter. Ah, oh, me dis pas que c'est Crash après tout. S'ils savent que c'est moi, je suis mort. Bon, je pense que si les paramilitaires ont voulu me tuer, alors Crash après tout, j'imagine même quoi. Là. What do you need, guys? What do you need? Ouais, tu fais quoi? Shit, j'en ai. Easy, pal, easy. Ah, então, você é americano de merda. Eu sou americano de merda. Me dá só uma razão pra eu não te matar, seu americano burro. Desculpa, amigo, por favor. Oh, bravo, t'as mes lunettes. Ok, c'est cool. Que você tem, viado. Pega o dinheiro dele, pega o dinheiro dele. Qu'est-ce que tu veux? Je comprends rien. D'accord, prends mon flingue, mec. C'est pas grave, j'ai mes mains pour tuer. Ma montre, ok. Bon, j'imagine que. En même temps, bon. J'imagine. Valeu, mano. Bem-vindo à favela Nova Esperança. Merci. Ah, reculé. All things considered, ah. I was gonna have to look on this as a good outcome. I was deep in gang territory. Ils s'en sortent bien, en fait. These kids were raised hating clowns like me. Middle-income ass-kickers who protected the rich by shooting kids like them. Des connards de classe moyenne qui protègent les riches en butant des gosses comme. C'est terriblement pessimiste, mais on va pas marcher dans l'eau, je crois, on tire une nouvelle fonction. First day off the sauce and somehow I'd still end up in the gutter. C'est drôle, j'aime bien. C'est drôle parce que c'est de l'humour sombre, c'est de l'humour noir, quoi, c'est pas... C'est pas fun ou quoi que ce soit, non, c'est... C'est terriblement pessimiste, quoi. Bon, j'ai plus de lunettes. J'ai toujours plus de cheveux, j'ai toujours ma chemise dégueulasse. Mais j'ai plus de flingue. Oula, d'accord, j'ai mis l'apéro. Bonjour, je fais que passer. Hola, parle anglais. I'm a little lost, perdido. Claudio, regardez ce No comprende. I need a phone, a telephone. Bora. Publico. A gente não é centro de informação turística, não. Well, they weren't gonna help me. Ah, je vais comprendre centre d'information touristique. I was a dumb American in a place where dumb Americans were less popular than the clap. If I was gonna find my way out of this mess, I was on my own. J'étais dans un endroit où les crétins d'américains étaient en... où j'étais un crétin d'américain dans un endroit où les crétins d'américains sont encore moins appréciés que la chopine. Écoutez ces punchlines, quoi. Enfin, je sais que je parle par-dessus, mais si vous pouvez lire les sous-titres, franchement, surtout dans les moments calmes comme ça où il y a une certaine réflexion. I figured sobriety was no use to me dead. Salut. Telefono publico. Un turista. Si. Qu'est-ce que ce gars quer? Ouais, high five, yeah! Yeah, me too! Hey, partez pas! Les mecs, arrêtez! J'ai l'air sympa, non? Merde. Oh non, pas lui! Je le reconnais avec son petit chapeau et son gros corps. Hey, are you lost? In more ways than I could possibly explain. On s'est déjà vu. At the disco, with the gun. Yeah, you had hair back then and. Better clothes. Anders Detling from Steel North Dakota. Why on earth are you here? Anders Detling. Okay, salut. Looking for someone. What are you doing here? Une dame sympa. We came to help the cause. See, after I retired, my wife, she said I had to do something. And well, you know, I always loved kids, so I got involved in Angels of the Hill. Oh, it's a great cause, and they're really great folk. And well, now we come down twice a year to help inoculate the children of the favelas. Yeah, oh, simply wonderful giving back. Whole family does it. In fact, my little girl's coming in a couple of days. Aren't you afraid? Ah, I was a cop for 25 years. And granted, Steel ain't San Paolo, but you know, I seen things. And people are the same everywhere. Good, bad, indifferent. Listen, have you heard anything about a woman about 28, rich? She was kidnapped. I heard she was being held around here. No. All right, well, good luck. All right, you too. You look like you need it. I gotta get back at it. Hey, I'll say a prayer for you. Catholic. Another life lesson I didn't want. Je même si encore une leçon dont je me serais bien passé, mais
Elle est tellement vraie, sa leçon. En fait, ce mec, j'aime bien parce que c'est le bon flic. Enfin, Max, ouais, c'est le flic raté qui a loupé sa vie. Enfin, voilà, c'est. La situation me montre bien. Il est en train de marcher chauve dans une favela. Après, son patron soit mort pour sauver une femme prise en otage. Enfin, bref. Et ce flic, il aime. Cool. Salut. Alors, à partir de là, ça va être un peu 18+ qu'on va voir. Passer. Revenez dans 3-4 minutes. Ou écoutez juste. Regardez pas. Regardez pas. Si vous êtes jeune et que. Regardez pas. Regardez pas. Puis si vous regardez, bah c'est votre problème. Moi je vous ai prévenu. J'espère que ce classy-looking establishment would have a phone so I could call Passos. Either that or a gun so I could shoot myself. Mais bon, vous regardez Game of Thrones, vous en avez d'autres. Cool, un mec qui me répond, toujours sympa les patrons de garde. You don't know the words for reverse charges, and you're in some lonely skin joint in the middle of some poor slum, having just had every last cent robbed from you. Je sais pas du tout qui l'appelle, on sera jamais bodyguard, then you know you're a loser. Bon, bah je me barre. What? Do I know you? Non, mais non, mais toi tu me connais. Tu voulais me buter, faites sa vie. Ah ouais, c'est là. Bon, un soda. Qu'est-ce mec? Je sais qui t'es. Bah bien sûr, je sais qui t'es. Je me rappelle, parce que après avoir fait plusieurs jours, essayez de vous rappeler la scène de fin de la première mission, tout le monde se fait tuer. Beckett arrive avec ses hommes de l'UFE et lui aussi, et il s'enquête avec Beckett. Wilson da Silva. Da Silva, un flic véreux, comme disait Rodrigo. Vous faites confiance ou pas? Never to employ you as my bodyguard. You did a great job watching after Rodrigo Bronco. Quel fuck you. You were set up. Sans deck. Yes, I was. Now, let me ask you something. Have you ever seen this guy? Serrano. Ouais, je connais. Yeah. Y compris Mario et Ligné à côté. Yeah, you sure put his gang out of business. But don't worry, those guys, they're a small fry. Juste une bande de petites frappes, ils sont la femme du patron. This is the guy I'm interested in. Neves. Neves. Mario. And this is his little buddy here. Milo. J'appellerai donc pour this vigilante group. Crash Preto. Crash Preto, ouais, je connais, ils viennent de faire péter le bâtiment. Very popular with right-wing politicians. Like Victor Bronco. Now you see, many years ago, he cleared some villages on a bit of land. Rodrigo Bronco wanted to develop. Attends, Rodrigo Bronco voulait exploiter le village où Victor l'a aidé en engageant ses paramilitaires. Anyway, what? Have you ever seen this guy? Oui, Nebes, oui, on l'a vu. Maybe at the stadium. Ouais, au stade. I knew you were involved in that business. You know, I wanted to investigate that, but I got an order to blame it on some local street kids. Le monde de gamin fait pas péter un stade. What happened there? Nothing. We simply went to hand over some cash to this guy's clowns for a ransom exchange. When this guy's clowns débarque, jumped us and they shot everybody. Apart from you and your boy Passos. So right. But we had to shoot our way out of there. They let you go. What? Okay, it's a little weird right now. But I know that Victor Bronco is involved in all this. I just don't know how or why. And I know that the UFE are involved in all this as well, but I just don't know. Ah, les morceaux se recollent. Qu'est-ce qui se passe? You know what's gonna happen? The moment is gonna come along when I put all these pieces together, and at that moment, someone is gonna come along and put a bullet in my head. Anyway, listen. I think you might want this. Merci. Thank you. Je ne devais pas encore totalement confiance à Sylvain, mais j'ai l'impression que lui trouve un allié dans un gros bordel. Up the hill. Up the hill. So why don't you just go get her? I don't know. I'm a cop. I mean, I'll fight corruption. I'll stand up to the rich and dumb, but if I go up the hill right now, I'll be dead in 3 minutes or less. Il vient de dire tête aux riches, aux abrutis, mais t'iras pas. D'accord. Je pense qu'on va faire une bonne équipe. You're in the jungle now. Je sais taper sur les gens, et tu sais laisser les gens taper. Let's speak. You help me. And I'm gonna do what I can to help you. Good luck. I didn't know what to make of what this guy had just told me. Étrange. What was true and what was just someone else's convenient bullshit.
Then some less than friendly locals came in and found me in the wrong mood to party. Salut. Si vous êtes de Crash Apreto, de Commando Sombra. No comprende. Leave me alone. Leave me alone. Exactement. Je t'ai prévenu une fois. C'était alguma coisa pra mim? Do you got something for me? For you? I'll tell you what I got. I got a gun, and if anybody thinks they're gonna take it from me, they'd be dead wrong. Je garde ce flingue, bitch. Tiens, bouffe une table et une balle. Par contre, tu caches ton pote. Tiens, reprends-en une. Boum! Vous avez des amis, rien à foutre. Wow, c'était magique. Wow, Max Payne, mec, tu gères. Wouh. Vous avez voulu m'abattre. Nouveau Max Payne se débrouille aussi bien que l'ancien. Alors cette mission, enfin plus tard, un peu plus loin dans cette mission, je l'avais montré dans une précédente vidéo l'année dernière. Tiens, merde, prends-en une autre. Prends-en une autre. Prends-en une autre. Une seconde. Hein. Je tape dans l'arme. Merde. Ah. Alors j'ai pas compris comment en tirant dans l'arme j'ai réussi à le tuer. Mais... Esquive les balles, Max. Vous avez voulu faire les malines, les filles. On va faire les malines. Le genou. Oh! Je reviens. Il y aura un truc dans les toilettes. Non, même pas. À mon tour. Salut. Bien avec toi. Oh mon genou. Oh ma tête. Ok. Oh medikit. One vice at a time. Vie, ça peut. Donnez-moi votre arme de guerre. Bonjour madame. Non, vous inquiétez pas, il n'y a aucun problème. What? No shooting. Por favor, amigo. No, no. Relax, soldier. Ça va, t'as pas d'arme, mec. Quitté. You're American? Oh, jeez, buddy. T'es américain aussi? I'm glad to see you. Oh, fuck me. I've been coming to this shithole town for the last 5 years. It's like a fucking insane asylum. But it's got the cheapest pussy in the world. But fuck me! I mean, you're in a cat house in the slum, pal, doing who knows what. I'm a businessman, bro. And they were fully legal in this country. I think. Mais je m'en prends. And I know how to tip, all right? It ain't my fault, man. It ain't my fault. Don't judge me, all right? Mais casse-toi, enfin on s'en fout, mec, ok, mais ce que tu veux. Bon, après, moralement, bizarre. Jesus, what a fucking creep. It was ok, Monday qui veut faire la guerre noon, and I'd already been thrown out of a party, gone to a strip club, and got into a bar fight. Qu'est-ce this latest midlife rigolo. Crisis was certainly ticking all the boxes. J'en ai vu des... crise de la quarantaine, j'ai vu des gens en fer, mais là... Oui, quand même. Merde. Si, oh putain, c'est là. Ouh, c'est très discret ça, Max. Attention, ils ont des tombes. Oh, vous êtes des billes, les mecs. Fallait mettre des murs moins larges. Ouais, cassez-vous. Merci. Making sure c'est les gamins qui tiraient feu d'artifice, c'est quoi? Bon, tapis rouge. You want the war? You have the war. I was walking into another, not so bah, pour l'instant, c'est plus moi qui est venu chercher These la guerre. Didn't look like Commando Sombra. Je suis venu chercher la fille, on va me la donner.
and I just shot up their favorite skin joint. Oh, oh les boules. Personne. Comme si le bois ça allait être protégé contre quelque chose. Regardez comme il est mort, on dirait qu'il est encore plus là. Il y a quelqu'un au-dessus, hein, je t'ai vu. Bon. Alors je sais pas si j'ai affaire au commando sombra ou un autre sombre gang, hein, mais pour l'instant, je tue. Pas équiper vos hommes avec des armes de guerre, je suis venu à main nue et je me finis avec des armes de guerre dans les mains. C'est super. Wouh! Désolé pour toi.